still don't know what I'm doing. Alors, qu'est-ce qui va pas? Ça fait 2 heures là, je fais du stop, y a personne qui veut me prendre. Je viens d'avoir mon permis, tu veux que je te dépose quelque part? Ouais, mais. En fait, je sais pas où je vais. C'est pas grave, moi non plus, tu vois, je me balade un peu, mais. Grimpe. Du coup, on va où? Je te propose qu'on trace la route. Ok. Donc votre permis, vous l'avez eu quand? Me vois pas, s'il te plaît, c'est bon, j'ai pas 1000 ans. Ah, pardon. Non mais t'inquiète, c'est pas grave. Je l'ai eu hier. J'ai failli pas l'avoir d'ailleurs. Avec le type là, on a débattu pendant au moins 1 heure pour savoir si oui ou non il fallait écraser un animal quand il se trouvait trop proche de la bagnole. Ah, parce que vous, toi, tu voulais pas, c'est ça? Non, c'est pas ça. Bah en fait, si tu veux, il y avait un chien devant la voiture et je me souvenais plus s'il fallait s'arrêter, l'éviter ou freiner ou ralentir. Et je me souvenais vaguement qu'on m'avait dit que ralentir c'était dangereux. Alors j'ai accéléré et paf, la roue en plein dedans. Oh, ça a giclé sur toute la vitre du moniteur et il en a chié le pauvre type. Mais finalement, je l'ai foutu permis. Je m'appelle Raphaël. Mais tu peux m'appeler Raph. Moi, c'est Léon. Enchanté, Léon. On est arrivé! Oh. On est arrivé où? Nulle part! J'en ai marre de conduire. Alors on est arrivé? Mais t'inquiète, j'ai de quoi camper. Ah, super, j'ai toujours rêvé de camper avec un tarif. Tiens, c'est quoi? C'est de la bouffe! Non, je trouve la clope dégueulasse. Bah quoi, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Mais je te parle de joint là. Ah. Non. Eh bah tu vas t'y mettre mon coco. Ok. Dis-moi mon petit Léon, comment ça se fait que je t'ai trouvé tout seul avec ton pauvre sac?
en train de marcher sur une route perdue en pleine campagne? Je déteste mon bled. Depuis tout petit, je rêve de le quitter. Et je me suis réveillé ce matin complètement blasé. Et en me rendant compte que j'avais passé pratiquement tout mon été chez moi, à rien foutre. Alors je suis parti, comme ça, sur un coup de tête. C'est bien ça. Moi j'aurais jamais eu les couilles de le faire sans voiture. Mais tu pars pas pendant les vacances ? Depuis la mort de mon père à 7 ans, on n'a plus la thune de partir. Du coup, je pars plus, non. Dur ? Mais t'es en quelle classe en fait ? Je passe en terminale. Ah, moi aussi. Mais t'es pas un peu vieux ? J'ai 19 ans. Mais j'ai redoublé deux fois en fait. Et là, je change de lycée parce que. Enfin, c'est compliqué. Ouais, je comprends. Putain, on se pèle le cul ici. Je suis d'accord. Viens, on fait un feu. Mais c'est pas un peu illégal de faire ça? Imagine un flic qui passe. Ça fait une heure qu'on fume des joints sur une route au milieu de nulle part. Y a pas un pet de vie. Et toi, t'as peur qu'un flic passe? Ouais, c'est pas faux. Bon, j'ai cherché du bois. Hey, mais attends, moi, je fais quoi? Je sais pas, moi. T'as qu'à monter la tente. Debout ma biche. Oh, fous-moi la paix. Putain, j'ai galéré à m'endormir avec tes conneries de bois mouillé. Écoute, la prochaine fois, tu iras chercher du bois tout seul, défoncé dans la nuit, et tu me diras si tu auras quelque chose à foutre qu'il soit mouillé ou non, ok? Je préfère attendre que celui-là il sèche. Ouais, grouille-toi, il en y va. On va où? Je sais pas, je m'en fous. Dans deux jours, c'est la rentrée, là. Faut qu'on bouge. On a encore plein d'endroits à découvrir, là. Tu me fais pas chier, tu te lèves, là. Moi, on est malade, vas-y, laisse-moi faire. Ouais. Debout, putain. Ta gueule. Ok, c'est bon, j'arrive. Qu'est-ce qu'on a à bouffer? Je sais pas, moi je suis pas ta mère. Putain, y'a rien! Ah ouais? T'es sûr qu'il y a rien? Je suis pas convaincu. Moi je m'en fous, j'ai ma bouffe. Thank you.
t'es vraiment un putain de génie. Hein. Tu penses quoi se revoir? Je sais pas, moi. Je suppose que non. Pourquoi? J'en sais rien, moi. Il y a de fortes chances qu'on se revoie pas. Mais pourquoi pas? Tu me poses des questions, là, j'en sais rien, moi. On est pas en train de faire des prédictions, là, si? Et puis arrête de chialer. Et apprécie le moment, plutôt, là, c'est justement le moment de le faire. Là, je sais pas, moi, je pense à après. Mais après, ce mot-là, il était juste inventé pour nous faire chier. Pour nous faire courir après des choses qu'on a déjà. Tu vois, c'est comme une course, en fait. Ouais, c'est comme une course. Ce qui a toujours existé, depuis le tout début, c'est maintenant. Et le passé, bah, c'est ton chrono, ton classement. Au final, si t'es heureux, t'as déjà tout gagné, t'as pas besoin de courir. T'es pas heureux, là? Bah, je crois que si. Et bah voilà. Alors arrête de te torturer. Bah, je sais pas, c'est normal de penser à l'avenir, non? Moi, je trouve que c'est débile. Tu crois que les grenouilles et toutes les merdes sur lesquelles on a marché tout à l'heure, elles pensent à autre chose que dormir et bouffer? Ouais, mais tu penses qu'elles sont heureuses? Ah, j'en sais rien. Je suis même pas sûr qu'elles puissent l'être. Le truc, c'est qu'elles prouvent que c'est le présent qui domine. Ouais, je suis pas convaincu. Ah bah tu me saoules là avec tes après là. Tu crois que les grenouilles elles ont conscience qu'elles sont dégueulasses? J'en sais rien. Ouais, tu sais pas grand chose en fait. Ah bah ça va si on peut plus rien dire. Ta gueule! I ran away in floods of shame. I'll never tell how close I came. As I crossed the Holland Road, well, you went left and I went right. As the moon hung proud and bright, you would have loved it here tonight. Spin me around just to pin me down on the cover of this strange bed. Spin me around. Alors bonjour tout le monde. Je suis Madame Séni. Ça s'écrit C-Y-N-I-K. Je serai votre professeur de philosophie cette année et je suis très heureuse d'être avec des élèves aussi enthousiastes. Bon, écoutez, c'est la rentrée. Ça m'ennuie autant que vous. Mais si on s'y met tous, l'heure passera forcément plus rapidement. Alors on s'y met, d'accord? Ah! Eh ben, monsieur Raphaël, on a oublié l'heure. Bonjour. Bonjour. Je vous présente Raphaël. Il nous vient du lycée Descartes. Il nous rejoint suite à un petit incident avec son ancien prof. Return for everyone you will love.
that you were the kind of person who wants to be alone. And each day when I saw you, I was thinking of you. But now you're just a shadow.